Bonjour tout le monde qui nous rejoignait depuis Internet. Bonjour à Laure, à Julie, à Pierre-Yves, à Jennifer qui est avec nous en plateau et vous trois qui êtes à distance. Hein, on est toujours sous cette charmante vague Omicron. Mais malgré tout, on a quand même plaisir à discuter aujourd'hui, à introduire ce débat qu'on a lancé avec Renaissance Numérique autour du débat numérique 2022, de ces sujets qu'on a envie de mettre sur la table et de lancer, parce que peut-être que dans cette campagne présidentielle, on ne parle pas assez de ces éléments-là et qu'on a envie de les éclairer en partenariat avec l'Express pour essayer de mettre tous les grands défis sociétaux que pose le numérique au cœur de la campagne. On est sur une révolution numérique depuis 2 décennies, qui nous bouscule, qui challenge énormément de nos institutions, de nos modes de vie, de nos chaînes de valeur, de nos manières de faire société, et qui est un porteuse de nouveaux risques avec ces transformations, mais aussi de beaucoup d'opportunités. Et dans ce changement, on sent que on a parfois du mal à en prendre le long terme, à emporter les débats et les enjeux fondamentaux. C'est ce qu'on a voulu un peu lancer dans ce cycle de débats, qu'on commence aujourd'hui par une question un peu cruciale qui nous agite beaucoup, qui est celle de l'espace public. On aura deux autres rendez-vous, le 21 février et le 21 mars, sur les questions complémentaires. Vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet. Ce qu'on a eu envie chez Renaissance Numérique, c'est de lancer cette discussion avec des acteurs de la société civile dans sa diversité, qui sont plongés dans l'action, mais qui sont capables d'avoir du recul et qui savent regarder les choses de loin. C'est un parti pris assez fondamental du think tank Renaissance Numérique d'être dans cette capacité à se nourrir de l'action et aller regarder un peu la profondeur et la radicalité des sujets. On a voulu essayer de circonscrire ça dans des débats courts avec des gens intelligents et informés, donc qu'on accueille ce soir autour de nous. Et ce soir, on voulait commencer par cette idée de comment reprendre la main sur cet espace public en ligne. Si on écoute la manière dont on parle de ce sujet-là depuis quelques années, on a l'impression que seule demeure une anxiété profonde. Dès qu'on parle espace public digital, espace public numérique, on a l'impression qu'il n'y a plus que de la fake news, de la désinformation, des problèmes, etc., etc. Une anxiété très forte et un sentiment très partagé, très profond et assez partagé au fin fond de la société, mais qui est un sentiment parfois peut-être plus qu'une réalité, d'une perte de prise de contrôle, d'une perte de main, de quelque chose qui se délite, d'extrêmement complexe, auquel on a du mal à se raccrocher. C'est un sentiment, c'est un peu un mythe aussi. Ce sont un certain nombre de mythes qui se fabriquent actuellement, qui sont en conflit autour de cet espace public, de ses origines ou de son actualité aujourd'hui, avec des avatars qui fabriquent ce mythe ou des personnages. On connaît tous ces idées d'un Trump, de réseau, des fake news, d'un Mark Zuckerberg, des choses qui parfois dont la dimension mythologique relève plus que de la réalité. Nous, on aimerait arriver à briser un petit peu tous ces mythes ensemble aujourd'hui, ou en tout cas à essayer de creuser un petit peu ce qu'il y a derrière. Il y a aussi le passé d'un quinquennat. On sort de 5 ans où on n'a jamais eu autant d'initiatives de régulation, de projets de loi en proposition à tous égards autour de ce nouveau sujet, évidemment très bousculé par le choc de l'élection américaine de 2016, tout d'un coup cette néo-irruption du numérique dans le débat politique et de son rôle supposé, hein, de manipulation, etc., etc. Et donc, avec jusqu'à encore ces derniers moments, juste avant la campagne présidentielle, le rapport Bronner, sur lequel je n'ai pas forcément besoin de revenir. Donc pendant 1 heure, on va essayer de s'interroger sur cet espace, sur ses acteurs, sur ses enjeux, et d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces avatars, en prenant un petit temps de pause après ces 5 ans denses et actifs, et avant les 5 ans où on va avoir à s'occuper de cet espace, ou pour faire un peu bilan et relancer ça. J'aurai le plaisir de l'animer avec Jennifer Chrétien, qui est la déléguée générale de Renaissance Numérique, à qui je passe la main pour introduire et passer et lancer les discussions. À Merci toi, Nicolas, Jennifer. merci Nicolas, et merci à toutes et tous de votre participation à ce débat.
Alors pour ce premier débat, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Baudouin, qui est ancien président de Wikimedia France et désormais membre de son conseil d'administration dédié aux thématiques de plaidoyer. Laure de Roche-Segonde, qui est chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, co-auteur notamment du rapport intitulé « Cyberinfluence, les nouveaux enjeux de la lutte informationnelle » paru en 2021. Et Julie Obono, directrice de l'ONG Internet sans frontières et cofondatrice du Content Policy and Society Lab de l'Université de Stanford. Et Julie est également membre de l'Oversight Board de Facebook. Bonjour à tous les trois et vraiment, vraiment ravie de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence directement le débat. Je vais juste me faire un peu la gardienne du temps pendant ce débat et demander à chacun et à chacune de respecter les temps de parole pour permettre à tout le monde de s'exprimer aisément et fluidement dans cette discussion. Alors pour commencer ce débat, j'ai envie de commencer par vous, Julie, peut-être avec une question un peu plus introductive autour de cet espace en ligne. Finalement, à quoi il ressemble cet espace en ligne aujourd'hui? Et quand on parle d'espace public, en quoi il est public? Merci Jennifer. Merci à Renaissance Numérique et à l'Express pour l'invitation. En quoi, d'abord, qu'est-ce que sont ces espaces en ligne et en quoi sont-ils publics? Bon, les espaces en ligne, c'est pour nous, c'est Internet. En fait, Internet dans sa diversité. Quand on parle aujourd'hui d'Internet, c'est vrai qu'on a tendance à parler à penser aux espaces dans lesquels plus de 90%, je crois, de l'activité numérique se déroule, et en l'occurrence sur les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux. Mais Internet, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont aussi des espaces de collaboration, ce sont aussi des espaces de créativité. Et puis, il faut se rappeler, vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont des espaces publics, il faut se rappeler de l'histoire d'Internet et du web en particulier. Le web, le www, est né au départ pour faciliter la recherche scientifique publique. C'est une invention qui a été faite au CERN, et l'objectif était de permettre à tous les chercheurs du monde entier de collaborer sur des projets de recherche qui aideraient l'humanité. Et bien aujourd'hui, le www, et nous le croyons beaucoup à Internet sans frontières, est toujours dans cette utopie là de permettre à l'humanité de collaborer, mais c'est vrai que de plus en plus cet espace public, par définition, par défaut, est de plus en plus accaparé par un certain nombre d'acteurs privés en raison des moyens colossaux qu'ils y déploient, et aussi en raison de logiques capitalistes qui renforcent les phénomènes de captivité d'attention. Mais on pense notamment aux réseaux sociaux type TikTok, type Facebook ou Instagram ou encore Twitter. Néanmoins, cet état de fait dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas la normalité. Ce n'est absolument pas normal, en tout cas, a fortiori dans les démocraties où l'état de droit doit prévaloir, et c'est pour ça que cette discussion est absolument essentielle. Ce n'est pas normal que des acteurs privés aient la possibilité aujourd'hui de régner sans aucun frein. En fait, à tel point que ils sont aujourd'hui les garants de la liberté d'expression dans beaucoup d'espaces du monde, y compris dans les démocraties libérales telles qu'en France ou même telles qu'aux États-Unis où je me trouve. Ces espaces prennent des décisions de manière arbitraire. Les exemples sont nombreux. On se souvient par exemple du réseau social TikTok, sur lequel il a été découvert que un algorithme décider de promouvoir certains contenus plus que d'autres, au détriment en particulier de populations déjà très marginalisées ici aux États-Unis, qui sont les populations africaines-américaines. Eh bien, ces populations, ces créateurs africains-américains ont décidé de faire une grève de 3 jours en 2021 pour protester contre ces pratiques discriminatoires qui, normalement, n'auraient lieu dans aucun espace public aujourd'hui, il faut le rappeler. Le danger, il est là. Il est de laisser ces espaces à l'arbitraire d'une logique capitaliste qui souvent est antagoniste à la logique d'intérêt général. Et c'est pour ça à titre personnel, j'ai rejoint le conseil de surveillance de Facebook, mais même au-delà, c'est pour cela qu'il est important qu'il y ait des conversations publiques sur ce que c'est que cet espace et sur ce que c'est
enfin, ce qu'on voudrait que cet espace continue à nous apporter, et quelles sont les limites et les contre-pouvoirs que l'on doit s'apporter les uns les autres en tant qu'acteurs pour faire de cet espace un espace profitable, qui continue à être profitable à l'humanité et à tous. Et c'est pour ça que j'ai lancé le Content Policy and Society Lab à l'université de Stanford, qui justement réfléchit à ces questions-là, spécifiquement sur les politiques de contenu, les régulations autour des contenus. Le Digital Services Act vient d'être adopté au sein de l'Union européenne, enfin, des discussions viennent d'aboutir. La première étape. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de discussions autour du premier amendement. Est-ce qu'il faut apporter des limites aux plateformes au regard du premier amendement? Bref, toutes ces questions-là ne peuvent pas être réglées derrière un huis clos entre les États et les entreprises, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais cette conversation doit être publique et inclure les acteurs de la société civile que nous sommes aujourd'hui. Merci Julie pour ce plaidoyer pour une conversation publique et pour l'inclusion des acteurs de la société civile notamment. Je pense que c'est assez juste. Pierre, je me tourne vers vous. Quand on entend le débat public, on a vraiment l'impression que le numérique ou l'espace public numérique est résumé à ces jardins clos, ces endroits très privés qui ont leurs propres règles. Et d'après vous, cette espèce de concentration, cette focalisation a des effets de bord. Évidemment, vous avez un point de vue qui forcément n'est pas celui d'un grand opérateur et d'un jardin clos, je pense, avec des parties pris un peu ouverts. Quels sont les effets de bord, d'après vous, sur cette focalisation sur ces jardins clos? Oui, effectivement, ces dernières années, le débat public se focalise sur les fameux GAFAM ou Big Tech américains. Avec ces derniers mois ou ces dernières années, la découverte de TikTok, qui est, selon elle, américaine ou chinoise, selon d'autres. Voilà. Enfin, mais finalement, Internet est encore très varié, ne serait-ce que nous, Wikimedia France parle de Wikipédia lors des réunions avec les pouvoirs publics, et il y a encore une très grande diversité au sein des acteurs du web, même sans doute malgré la forte concentration de l'audience et des sites. Il y a encore une grande variété, une grande richesse. Sans doute, c'est sans doute encore le média peut-être le plus varié, contrairement à la télé, à la presse écrite ou à la radio. Et ce qu'on peut voir lors des réunions avec les pouvoirs publics, auxquelles on a la chance d'assister aux côtés d'autres opérateurs de plateformes, enfin nous on n'est pas exactement un opérateur, toujours un peu atypique lors de ces réunions, on voit qu'il y a juste quelques types d'acteurs qui sont représentés, grosso modo c'est les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, et Wikipédia. Mais il y a tout un tas d'autres sites, notamment quand on aborde les questions de haine en ligne. Je suis assez étonné que, par exemple, les plateformes de pétition ou les sites de financement participatif soient pas conviés. Alors, je dis pas qu'elles répondaient forcément présents. Hein. C'est très difficile d'assister à ce genre de réunion. C'est en journée, c'est très technique. Il y en a de plus en plus aussi. Mais voilà, c'est un peu dommage et on observe aussi que les pouvoirs publics, finalement, associe Internet à deux ou trois grands sites et du coup voit peut-être que les problèmes et du coup ça biaise un peu toutes ces discussions et j'espère que dans les prochaines années, le prochain quinquennat, on arrivera un peu à diversifier ces sujets et les personnes autour de la table, ne serait-ce que par les acteurs. Mais ça aussi nécessite tout un changement de pratique, je pense, de la part des pouvoirs publics. Déjà penser à les inviter. Même nous qui sommes présents en réunion, on est rarement invités automatiquement. On se fait inviter ou on demande à être invité. Ne pas multiplier non plus sans arrêt les auditions, les rapports et tout ça. Par exemple, la commission Bronner, même si elle a fait un très bon travail, hein, je salue, en plus c'est des bénévoles, mais voilà, est-ce que c'était vraiment pertinent de sortir ça, en plus au débotté, un peu de nulle part, alors qu'il y a déjà d'autres commissions qui auraient pu se saisir de sujets. Il faut aussi, une fois que les lois sont votées, prévoir du temps.
C'est assez paradoxal, les élus demandent notamment à Facebook qu'elle inclue un peu plus les internautes et que ça soit un peu plus horizontal comme façon de faire. Et du coup, nous, on leur répond que un fonctionnement vraiment horizontal, ça prend du temps. Le code de conduite universel qui est en train d'être déployé sur Wikipédia, il va mettre 2 ou 3 ans à être déployé parce que la discussion communautaire prend du temps. Et du coup, on peut pas non plus. J'ai l'impression que les pouvoirs publics aiment bien aussi cette verticalité qu'ont les très grandes plateformes, parce qu'il y a un seul représentant qui peut, une fois que la loi est votée, décider, mettre en œuvre très rapidement la loi. On voit là, il y a une loi qui est en train d'être mise en œuvre. Il n'y a pas de date d'application. C'est du jour au lendemain. Il faut l'appliquer. Donc c'est très difficile pour des acteurs atypiques ou des plus petits acteurs. Start-up ou plateforme à but non lucratif, de pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi un changement d'état d'esprit qu'il va devoir falloir adopter, je pense, dans les prochaines années, et que les pouvoirs publics ne se reposent pas que sur la facilité, que sur ces très grands acteurs, et ils ne parlent pas forcément au nom de tout le web. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais, avec un effet de concentration sur ces grands acteurs qui, paradoxalement, les renforcent dans leur pouvoir par une sorte de dialogue d'égal à égal, de pouvoir à pouvoir, qu'on note bien. Jennifer, peut-être je laisse. Merci. Je vais peut-être rebondir sur ça et sur le propos que donnait tout à l'heure Julie, qui revenait un peu aux origines du web. Dans notre échange, Laure, vous me disiez, pour vous, le mythe originel du web n'a jamais existé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre avis et pourquoi, selon vous, ce mythe n'a jamais existé et quel est le regard que vous portez sur cet espace aujourd'hui ? Merci beaucoup de l'invitation d'abord. Je dirais pas qu'il a jamais existé, je dirais qu'il a très vite été dévoyé. Parce qu'en fait, on parle dans cette discussion, y compris des menaces, et je suis désolée, mais je suis pas sûre que je vais être la personne qui va aider à réduire l'anxiété sur ces sujets, parce que je pense pas que ce soit de la mythologie, au contraire, je pense qu'il y a de vraies menaces qui existent en ligne et que c'est très important d'en être conscient, et malheureusement je pense que beaucoup de citoyens n'en ont pas encore assez conscience. Et pour ce qui concerne donc l'émergence du web, je disais que très vite, cette utopie du net qui permettait les échanges, qui était finalement très vertueux, a été remis en cause par l'émergence de pratiques beaucoup moins vertueuses, dans la mesure où le web, le cyberespace de manière plus générale, a été très rapidement envisagé comme un nouvel espace d'affrontement. C'est important parce que le cyberespace est venu s'ajouter à un certain nombre de vecteurs qui existaient déjà pour faire de l'influence militaire a donné lieu à un certain nombre d'opérations d'influence sur les réseaux sociaux, par exemple, mais pas seulement. Et c'est en ça que c'est très important de réfléchir à la manière de reprendre la main, parce qu'il y a des menaces qui sont extrêmement diverses et sérieuses. Je veux quand même préciser que là, c'est pas uniquement de la faute du web, puisque la désinformation, ce qu'on appelle la déception en termes plus militaires, les opérations d'intoxication ont existé bien avant le web. C'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire militaire, en fait, au même titre que la guerre existe depuis pratiquement le début de l'histoire de l'humanité, en fait, l'influence existe depuis que la guerre existe. Simplement, les stratégies d'influence se jouaient sur des vecteurs très traditionnels autrefois, mais disons que au XXe siècle, c'était notamment les médias classiques comme la radio, la télévision et la presse papier. Simplement, ce que le cyberespace, le web ont apporté, c'est une diffusion exponentiellement plus rapide. Maintenant, l'information va à la vitesse de l'électron. Et ça pose d'énormes questions en termes de désinformation, parce que, par exemple,
On a beaucoup parlé des tentatives de la Chine de redorer son blason après avoir été épinglé pour être le pays qui avait vu naître le Covid-19. À partir de cette donnée, il y a eu des tentatives sur les réseaux sociaux de faire passer le Covid pour une arme chimique américaine qui avait été fabriquée, qui avait été importée au moment des Jeux olympiques militaires qui avaient lieu en Chine en 2019. En fait, cette opération de désinformation, il y avait eu exactement la même au moment du VIH et où les soviétiques avaient essayé de faire passer le sida pour un virus qui avait été créé par les États-Unis. Sauf qu'à l'époque, il avait fallu 4 ans pour que cette fake news, en fait, soit reprise dans la sphère internationale. Aujourd'hui, il suffit d'un tweet, quoi. Enfin, je veux dire, une information peut faire le tour du monde en 24 heures. Donc ça pose évidemment des questions très importantes et c'est ce qui rend la désinformation sur Internet si dangereuse, et c'est ce qui dévoie en fait cette utopie initiale. Je dis pas du tout que le web n'a rien de vertueux, je dis qu'il faut avoir conscience des menaces auxquelles sont exposés les citoyens sur Internet et faire de la pédagogie là-dessus, en fait. D'autant que, et là je vais toujours pas aider à réduire l'anxiété, mais en fait, le potentiel dangereux de ces pratiques risque, enfin, et même va certainement aller en s'accentuant, puisque de nouvelles technologies émergent, notamment grâce aux techniques d'intelligence artificielle, qui vont rendre de plus en plus crédibles les fausses informations. Donc, par exemple, on peut penser aux deepfakes, qui sont des vidéos qui sont montées de toutes pièces grâce à des techniques d'intelligence artificielle et qui sont extrêmement réalistes, qui permettent en fait de faire prononcer un discours à un personnage célèbre, typiquement. Alors qu'il ne l'a jamais prononcé, en fait. Enfin, par exemple, il y a eu un compte Instagram qui a montré pas mal de vidéos de Tom Cruise faisant diverses choses qu'il n'avait jamais faites, mais c'est extrêmement réaliste. Enfin, je vous incite à aller voir si vous n'avez jamais vu, parce que c'est assez troublant. On dirait vraiment que c'est une vraie personne. Donc, on imagine très bien les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir. Si c'était, par exemple, une fausse vidéo d'un président américain qui appellerait à prendre les armes contre la Russie au hasard, voilà, des vidéos de troupes menant, enfin commettant des crimes de guerre, ça pourrait en fait avoir des conséquences dans le monde réel extrêmement graves, et c'est en ça aussi que l'espace en ligne est très important au regard, disons, de la conflictualité contemporaine, parce que les effets de tentatives de manipulation de l'information sur Internet se font sentir ensuite dans la réalité, puisqu'il y a parfois des représailles des conséquences militaires qui sortent du cyberespace et qui viennent s'incarner sur le champ de bataille, en fait. C'est très important de comprendre ça. D'autant qu'il y a une diversité très importante d'acteurs qui se saisissent de ces outils. On peut penser évidemment aux mouvances djihadistes qui s'en sont énormément servies, à la fois pour recruter, pour diffuser de la propagande djihadiste, en fait, mais aussi pour diffuser en fait des orientations tactiques et stratégiques. Enfin, il y avait des manuels, par exemple, sur YouTube, sur comment fabriquer une bombe dans sa cuisine. Tout ça, en fait, c'est de l'influence sur Internet, qui encore une fois a des conséquences très concrètes, parce que on sait maintenant que il y a tout un tas de recrues, notamment de Daesh, qui ont été exposées à cette propagande sur Internet, que cette propagande sur Internet a énormément participé à leur radicalisation, et avec les conséquences qu'on sait.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'apanage des acteurs irréguliers ou des acteurs non étatiques, puisque tous les pays en fait pratiquent ce qu'on appelle la cyberinfluence dans le rapport qu'on a écrit avec Elie Tenenbaum, qui est en fait la lutte informatique d'influence. Notamment ceux qui sont très forts en la matière, c'est la Russie, la Chine et les États-Unis. Il y a plusieurs opérations qui ont fait beaucoup de bruit. On peut penser au Macron Leaks, on peut penser au DNC Leaks pendant la campagne présidentielle américaine. Donc là, c'est au moment des élections présidentielles dans les deux cas. Donc c'est pour ça, je pense que c'est très important d'avoir cette discussion en ce moment. Il y a eu des exemples plus militaires, disons. Par exemple, les États-Unis ont mené l'opération Glowing Symphony en 2016 contre l'État islamique, qui a permis vraiment de mettre à mal les réseaux de Daesh. Donc, c'est des exemples qui montrent à quel point des acteurs très différents se saisissent de ces nouveaux outils. Et c'est la raison pour laquelle la manière de prendre en compte ces menaces doit être pensée avec la société civile, mais je pense aussi avec les armées, en l'occurrence, puisque il faut bien comprendre que des pays comme la Chine ou la Russie, et même les États-Unis d'ailleurs, inscrivent l'influence militaire, la cyber-influence, dans des stratégies militaires plus globales. Donc ça intéresse vraiment aussi l'État et les armées. Et je terminerai en disant que ce problème lié aux manipulations de l'information en ligne va devenir de plus en plus prégnant à mesure que la connectivité va augmenter. Parce que on sait que l'internet des objets est en train de devenir de plus en plus important dans la vie de tous les jours, et voilà. Enfin, je pense que on voit tous à quel point, y compris, enfin, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, on est connecté en permanence. Mais il faut savoir que ça augmente en fait la vulnérabilité, parce que c'est autant de moments où on risque d'être exposé à des tentatives d'ingérence étrangère, en fait. Et c'est très important à comprendre, parce que plus de connectivité, ça veut aussi dire plus de points d'entrée à la fois pour des opérations d'influence pure, mais aussi pour des cyberattaques, parce que il y a un lien, en fait, entre les cyberattaques et la cyberinfluence, dans le sens où, très souvent, pour mener des opérations de cyberinfluence, il faut d'abord passer par une cyberattaque. C'est ce qu'on appelle notamment le hack and leak. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour la Convention nationale démocrate aux États-Unis, où il y a eu d'abord une cyberattaque pour voler des données, et ensuite une diffusion avec parfois des informations qui sont détournées. Et là, ça a été le cas pour les Macron Leaks, où il y a eu effectivement un vol de données, mais ensuite, dans le leak, il y avait des fake news, en fait. Voilà, la surface d'attaque, c'est-à-dire les moments ou les endroits où on est susceptible de subir une cyberattaque ou des tentatives d'influence, augmente à mesure que la connectivité et la production de données augmentent. Donc, c'est très important de Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup de Je me fais un peu la gardienne du temps. Vous m'en excuserez tous les trois. Hein. Mais merci, c'est très riche. Et en fait, j'aimerais faire réagir à la fois Julie et à la fois Pierre-Yves sur vos propos. Parce que à la fois Julie, vous travaillez justement avec un certain nombre de parties prenantes au sein de votre laboratoire, justement pour établir un certain nombre de standards et de normes, et donc je voudrais vous interroger sur comment vous réfléchissez à ce type de problématique avec les acteurs, et quels sont les acteurs que vous réunissez autour de la table.
Et Pierre-Yves, c'est plus en tant qu'opérateur, même si je peux pas complètement vous appeler opérateur, je vais vous appeler opérateur dans la conversation, vous m'en excuserez. Mais justement, comment vous êtes confronté, ou peut-être à moindre échelle, à cette problématique-là, et comment vous constituez une réponse à ce type de problématique qui peut concerner un certain nombre d'espaces en ligne. Donc peut-être d'abord Julie, et puis ensuite Pierre-Yves. Oui, merci Jennifer. Il y a énormément de choses pertinentes qui ont été dites dans le propos précédent et c'est un rappel important que les mauvais acteurs ne sont pas uniquement ceux que l'on croit, et cela implique également des États, et notamment des États démocratiques. Des exemples ont été donnés, bien sûr, aux États-Unis et en Chine, mais j'aimerais aussi rappeler, vu qu'il s'agit de la présidentielle 2022 et que le numérique doit être un enjeu et qu'il doit y avoir une discussion sur l'état de droit dans le numérique. Alors, j'espère que vraiment les candidats à venir se prononceront là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, une information très préoccupante a été révélée par le réseau social Facebook en partenariat avec une équipe de recherche, notamment autour d'une chercheuse que j'apprécie beaucoup, Camille François, et de son organisation Graphica, qui ont révélé qu'il y avait des manipulation, enfin une guerre de manipulation sur Facebook qui a opposé la Russie et la France dans un pays aujourd'hui en guerre qui est la Centrafrique. Donc oui, il faut parler de tous les acteurs qui s'adonnent à cette manipulation dans leur diversité, et puis en s'adressant à tous ces acteurs-là, on se rend très vite compte que oui, c'est important que l'on intègre du vocabulaire d'état de droit, que l'on intègre du vocabulaire autour des contre-pouvoirs, des checks and balances, comme on dirait ici aux États-Unis, ou en tout cas qu'il faut qu'il y ait des principes de gouvernance qui soient très clairs, des principes d'éthique et de gouvernance extrêmement clairs qui déterminent quelles sont les limites à ne pas dépasser. Parce que oui, l'Internet ressemble à l'humanité, et dans l'humanité, oui, il y a des acteurs qui sont des acteurs malins et mal intentionnés. Donc, on a vu, vous l'avez rappelé, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de régulations, et en particulier dans le quinquennat qui s'achève. Mais ce que moi j'aimerais dire, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la régulation d'Internet en général, et en particulier la régulation des contenus en ligne, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui, ne peut pas se régler par à-coup et par réaction. On ne règle pas des problèmes, systémiques et presque, je dirais presque métaphysiques, parce que c'est vraiment l'existence d'Internet et du web tel qu'on le connaît qui est menacé. Je veux dire, on connaît très bien à quoi ressemble un Internet autoritaire où on règle cette problème de contenu très simplement. Hein. On installe une muraille de Chine, faut nommer les choses. On installe une muraille de Chine numérique, ou alors on coupe Internet. Et ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'États dans le monde, pas que les États les moins démocratiques, hein, y compris dans des démocraties émergentes. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça pose la question même de l'existence d'Internet. Internet, c'est un réseau ouvert, c'est un réseau sans frontières. Quand un point du réseau est complètement coupé, ça a forcément des implications pour le reste du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette interconnexion? C'est une question existentielle qu'il faut se poser aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, au Content Policy and Society Lab, nous disons aux nations démocratiques, quelle est notre réponse? Quelle est la réponse des nations démocratiques face à cet enjeu, face à ce danger existentiel? Voilà. Et cette réponse-là, aujourd'hui, nous ne la trouvons pas. On la trouve par des régulations par à-coup. Oui, on va demander aux plateformes de supprimer en l'espace de 24 heures des contenus que l'on estime nuisible, illicite, on sait même plus quel est le vocabulaire utilisé. Mais cela ne se fait pas dans le strict respect des obligations d'état de droit. Je veux dire, beaucoup de ces régulations ont été critiquées, et d'ailleurs j'ai eu à travailler avec Renaissance Numérique précisément sur cette question, avec Internet sans frontières. Beaucoup de ces régulations se font sans l'intervention d'une autorité judiciaire. Or, on sait que dans les démocraties libérales, les autorités judiciaires sont celles qui sont chargées de faire l'équilibre nécessaire entre
tous ces impératifs, l'impératif de liberté d'expression, l'impératif d'accès à la communication, d'accès à Internet, mais aussi l'impératif de sécurité, et notamment de sécurité nationale. Beaucoup de ces régulations-là ne font pas ce débat-là et s'engagent directement et font en fait de ces acteurs privés contribuent quelque part à la concentration de pouvoir de ces acteurs privés, parce qu'on fait aujourd'hui de ces acteurs privés la police et le juge en même temps. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant et nous sommes vraiment à un moment où il faudrait proposer des régulations qui répondent à ces enjeux sans pour autant mettre en péril l'état de droit. Mais pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des régulations qui sont informées. Mais informées par quoi? Informées par des données objectives, fiables et indiscutables. Aujourd'hui, ces données fiables et indiscutables, objectives, sont entre la possession exclusive des plateformes elles-mêmes et des grandes plateformes en particulier, y compris des plateformes publiques. Ce sont elles qui, à tel point qu'on a un système dans lequel ce sont des États qui vont demander. Par exemple, quand vous voulez faire supprimer, quand vous êtes un État, vous devez faire supprimer, vous devez demander, en gros, la permission à Facebook, enfin, ou à YouTube ou à d'autres. Bon, c'est quand même assez intéressant comme logique. Nous militons pour que ces plateformes-là, qu'il y ait un accès accordé, enfin, imposé par la puissance publique, dans des règles strictement définies et strictement respectueuses de l'État de droit, des exigences d'État de droit, qu'il y ait un accès à ces données qui soit permis à des chercheurs. Pas qu'un accès, pour vérifier que les plateformes sont en compliance, excusez-moi le terme en français m'échappe, enfin respectent leurs obligations légales, notamment dans le cadre du Digital Services Act, mais vraiment un accès, presque envie de dire en temps réel, mais à une communauté strictement définie de chercheurs qui pourraient nous dire, oui, est-ce que, par exemple, une question très bête, est-ce que Cambridge Analytica a inversé le Brexit, le vote sur le Brexit? Aujourd'hui, on n'en est pas certain à 100%. Tout simplement parce que les études qui sont menées le sont de manière externe. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui vont observer des données qui sont, dont l'accès est donné au compte-gouttes par les plateformes et dont l'accès est calmement supprimé de manière unilatérale par ces mêmes plateformes lorsque la vérité ou en tout cas ce qui est découvert ne leur plaît plus. Ça s'est produit encore récemment. Donc, oui, il faut des régulations, mais il faut des régulations qui sont informées par la réalité aujourd'hui de l'innovation technologique, de la rapidité d'évolution de cette innovation. Or, on ne peut le comprendre en partie, hein, c'est pas la panacée, bien sûr, mais on ne pourra comprendre exactement ce qui se passe que lorsqu'on pourra, encore une fois, dans les strictes limites de l'état de droit. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut que le ministère de l'Intérieur ait accès aux données de Facebook. Non. Absolument pas. Et ça, c'est un autre danger. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait que la puissance publique détermine dans des règles strictement respectueuses de l'état de droit, donc proportionnalité, autorité judiciaire s'il le faut, respect de la vie privée, RGPD, bref, toutes ces questions-là qui sont importantes, que des chercheurs puissent avoir accès à ces données-là et nous informer, pour informer l'opinion publique, informer les plateformes elles-mêmes sur des dysfonctionnements qu'elles ne verraient pas et informer les puissances publiques lorsqu'il s'agira de réguler. Voilà. Merci Julie. Alors c'est aussi très riche, mais peut-être avant de redonner la parole à mon copilote de la journée, je vais juste faire réagir Pierre-Yves aussi sur le sujet de la manipulation d'information. Comment ça se passe justement pour un site comme Wikipédia sur ces problématiques-là? Oui, bah, du côté opérateur, pour vous donner des exemples, par exemple au niveau des États, à l'heure actuelle, il y a deux grandes instances. Il y a la fameuse Viginum qui est chargée de protéger les intérêts de la France, notamment des élections à venir, où sont conviés une série d'opérateurs, soit en réunion multilatérale, soit en réunion bilatérale. Ensuite, il y a aussi un peu moins connu, le groupe de contact permanent qui a été remis en marche après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, voilà, on voit deux exemples un peu de structures qui ont été montées en réaction, soit au Macron Leaks, soit à Samuel Paty. Enfin, c'était le GCP, le groupe de contact permanent, est plus ancien, mais il était mort. En pause pendant quelques années. Donc j'abonde avec la remarque qu'on est encore un peu trop dans la réaction et non pas construire une gouvernance un peu logique, bien coordonnée d'ensemble.
parce que à l'heure actuelle, voilà, j'ai cité que deux organisations, mais il y en a plein d'autres. Il y a la Commission Brunner qui vient de rendre un rapport. Il y a l'Observatoire d'Aide en ligne qui est encore existant, hein, mais bon, plus personne semble se préoccuper. Il y a le Conseil national du numérique aussi qui existe de longue date. Et des choses moins connues comme le PEREN au sein de l'administration, chargé d'améliorer un peu les compétences du secteur administratif, du secteur public en termes d'algorithmes, ou encore par exemple le comité de lutte contre la manipulation d'information au sein de l'ARCOM, pas très connu. Donc voilà un peu tout cet ensemble. Il est indéniable qu'il y a une montée de compétences au sein de l'administration, mais il y a peu de lisibilité. Donc c'est difficile du côté opérateur. Des fois, il y a beaucoup de redites lors des réunions. Donc c'est assez difficile d'y voir clair. Et j'ai l'impression aussi que auprès du reste de la société civile, que ce soit la presse ou les autres acteurs qui sont pas conviés à ce genre de réunion, c'est encore beaucoup plus obscur. Il y a évidemment aucun compte rendu public, sauf quand les ministres veulent de temps en temps en parler dans la presse. Mais voilà, c'est assez opaque, c'est jamais les mêmes personnes qui sont invitées. Nous, on est invités dans certaines structures et pas d'autres. À chaque fois, à notre demande, enfin quasiment, donc il faut qu'on sache aussi qui a ces réunions à l'avance. La presse n'en parle pas, évidemment, à l'avance de ces réunions. Donc c'est encore un gros manque de lisibilité. Tout est en train de se mettre en place, hein, ne serait-ce que Viginum est encore en train de recruter. Donc il faut aussi leur laisser du temps, je pense, pour évaluer correctement ces instances. Tout est en train de se faire encore. Donc sinon, pour revenir à la manipulation de l'information, Wikipédia est très très atypique, hein. Donc il n'y a pas à l'heure actuelle d'ingérence étrangère, comme je l'avais dit chez Viginum, même si tout n'est pas parfait selon les langues. Il y a des langues qui dysfonctionnent, contrairement à la version anglaise ou française que vous avez l'habitude de consulter. Mais voilà, c'est principalement citer ses sources, les bases du journalisme. Finalement, Wikipédia a beau être construit par des internautes, c'est assez proche du système médiatique ou universitaire dont on a l'habitude. Donc là-dessus, c'est pas du tout une plateforme très très disruptive, comme on peut dire, de nos jours. Merci Pierre-Yves. Nicolas. Oui, si tout le journalisme était aussi rigoureux dans le citage de sources et l'approche universitaire que Wikipédia, ça serait peut-être notre espace public serait moins hystérisé parfois et plus sérieux et plus fondé sur le réel. On arrive un peu à la fin. On a pas mal été dans le diagnostic. Est-ce que je peux vous demander à chacun, chacune et chacun, l'un après l'autre, d'essayer de plutôt regarder à 5 ans dans le quinquennat qui s'ouvre et d'essayer de formuler un vœu, une recommandation, une demande peut-être pour l'action publique, pour la stratégie du quinquennat qui s'ouvre sur ces sujets. Voilà, peut-être en commençant par vous, Laure, sur ces sujets. Non pas, moi je n'ai aucune anxiété. Je faisais plus rapport dans mon introduction rapport à l'anxiété du régulateur qui régule de manière parfois anxieuse et anxiogène de ce point de vue-là. Quel vœu vous formeriez ou quelle recommandation ou projection vous essayeriez de donner aux décideurs publics qui vont s'occuper de ces sujets dans les 5 ans qui viennent? Je pense d'abord que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a quand même des initiatives qui viennent de se mettre en place. Donc, on a cité Viginum, qui effectivement est une bonne initiative parce que dans notre rapport, on pointait le fait qu'il n'y avait pas de logique interministérielle sur ces questions. Vous avez cité tous les projets qui ambitionnent de lutter contre la désinformation, mais il manquait effectivement une sorte de structure intégrée qui puisse
donner une stratégie. Et là, justement, peut-être que Viginium, si elle atteint ses ambitions, permettra de ne pas avoir cette démarche uniquement par réaction et par à-coup, mais d'avoir une stratégie de gouvernance plus intégrée, encore une fois, parce que ça concerne à la fois le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, voilà, je pense que c'est très important. Et donc là, Viginium, qui est sous l'égide du Premier ministre, est probablement une bonne initiative. Ensuite, il faut savoir que la France s'est dotée cet automne d'une doctrine de lutte informatique d'influence, justement pour s'autoriser à mener des activités de cyberinfluence en ligne. Et là, je rejoindrai ce qui a été dit avant. Je pense que l'éthique et la politique de vérité est absolument primordial. La France se fixe des limites éthiques. D'ailleurs, le rapport de Grafica qui a été cité précédemment a montré qu'en fait, contrairement aux agents de manipulation de l'information russe qui ne se fixaient aucune limite, qui ne se privaient pas de commenter la politique locale, de donner des consignes de vote, etc., les personnes affiliées à l'armée française ne l'ont pas fait et se sont contentées en fait de pousser des contenus favorables à l'action des armées françaises en Centrafrique, en Mali et en Libye. Donc c'est de la propagande, disons, un peu plus classique, hein, mais voilà, il y a quand même cette limite qui est très importante. Et je cite, j'aime bien citer l'exemple de la BBC qui en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, a pratiqué une politique de vérité. C'est-à-dire que quelles que soient les informations qu'il s'agissait de diffuser, même si elles étaient défavorables au Royaume-Uni, elles étaient diffusées. Après, bon, il y a toujours des manières de présenter les choses, mais il n'y avait pas de fausses informations sur la BBC. Et c'est ça qui a fait que la BBC est devenue un média de référence, y compris dans le bloc de l'Est ensuite, et qu'elle a été reconnue pour sa crédibilité et sa rigueur en termes d'information. Je pense que la France a intérêt à suivre cet exemple et à miser sur une politique de vérité elle aussi, ça c'est absolument indispensable, mais aussi à finalement compter sur ses citoyens. Et je pense que les initiatives qui ont été observées après les attentats de 2015 notamment, où il y a eu une sorte de mouvement authentique de la part des citoyens qui ont lancé des groupes de hackers éthiques par exemple, ou des groupes qui produisaient un contre-discours contre les djihadistes notamment comme la Katiba de Narvalo, sont de très bons exemples de ce que la société civile peut apporter de mieux sur ces questions. Et en fait, il faut savoir qu'en 2016, une réserve citoyenne de cyberdéfense a été créée. Je pense que c'est aussi une bonne initiative parce que effectivement, tout à chacun peut participer à faire de l'espace public en ligne un espace plus sain sur le plan des informations qui sont diffusées. Mais pour ça, il faut encore une fois, faire de la pédagogie, il faut former les gens, il faut sensibiliser aux menaces, informer sur les types d'acteurs qui sont présents. Je pense que les plateformes sont en train de s'en rendre compte. Maintenant, voilà, il y a des petits labels qui indiquent quand un média est vraiment, de toute évidence, affilié à une puissance étrangère. C'est un bon pas. Peut-être justement, voilà, ce que j'appellerais de mes voeux, c'est ce type d'initiative, faire en sorte qu'elles aillent plus loin, de manière à ce que les citoyens soient vraiment rendus conscients de ce qui est de l'opinion et ce qui est de l'ingérence étrangère. Parce que, en fait, le sujet, c'est aussi que très souvent, ce qui passe parfois pour des débats d'opinion sur les réseaux est utilisé par des compétiteurs internationaux pour attiser les clivages et faire en sorte que la France soit déstabilisée, en fait. La France ou n'importe quel autre pays. Par exemple, au moment de la mort de George Floyd aux États-Unis,
Il y a des djihadistes qui ont créé des faux profils à la fois de suprémacistes blancs et de militants Black Lives Matter pour mettre de l'huile sur le feu et faire en sorte que les débats deviennent de plus en plus virulents. Et l'idée étant, en fait, de séparer au maximum les gens pour que ce soit plus facile de déstabiliser le pays ensuite. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de en tant que citoyenne, de bien distinguer ce qui est vraiment de l'opinion et ce qui n'en est pas, et de faire confiance aux citoyens français avec des lignes rouges éthiques très définies et respectées en toutes circonstances. Merci Laure. Peut-être Pierre-Yves, un vœu pour les 5 ans à venir, un appel, une admonestation, un message pour la manière de reprendre la main sur cet espace public. Oui, bah, je rebondirai sur la ligne rouge éthique pour ceux d'entre nous qui étaient déjà très très actifs sur Internet dans les années 2000. C'est vrai que la montée en puissance, la reprise en main des États peut un peu surprendre, et même moi-même, hein, j'ai évolué là-dessus. J'étais au départ assez critique sur ce sujet, mais il y a évidemment de vrais problèmes qu'il faut régler à l'heure actuelle. Mais en même temps, cette fragmentation du web peut être inquiétante. Et il faudrait que les États défendent un peu plus la liberté d'expression et tracent une ligne rouge à ne pas franchir. Par exemple, aujourd'hui, il y a un coup d'État ou une tentative de coup d'État au Burkina Faso, et donc Internet est coupé. C'est assez fréquent qu'Internet soit coupé en Afrique. Bon, là, c'est un cas de coup d'État, mais ne serait-ce qu'à l'approche des élections, souvent ils coupent Internet, ou qu'il y a un peu plus folklorique lors du baccalauréat. Je crois que c'est en Algérie, Internet est aussi bloqué pour éviter la triche ou un autre examen national. Voilà, nous, ça nous semble contraire à la liberté d'expression, la liberté d'information aussi. C'est des moments clés dans la vie de chaque pays, et c'est important de bien s'informer. Et à l'heure actuelle, ça passe notamment par Internet. Et les réactions politiques sont assez faibles là-dessus, alors que ça concerne par exemple une bonne partie du monde francophone. Et donc on ne voit pas nos États réagir. D'autres exemples, par exemple, qui concernent un peu plus Wikipédia, ne serait-ce que pour citer ces dernières années, hein, Wikipédia et les États, ça se passe pas forcément bien, hein, comme toute encyclopédie. Par exemple, la Turquie a bloqué pendant 2 ans et demi Wikipédia. Ça a pu être levé. Alors, peut-être qu'il y a eu des actions faites en off, mais voilà, en public, il n'y a aucune réaction de la part de la France ou de l'Europe là-dessus. Donc on peut à l'heure actuelle bloquer un site culturel, un site d'information assez important, je crois. C'est un des 10 sites les plus consultés dans le monde ou en France, sans qu'il y ait de réaction. Je pense que si Amnesty International ou si la Croix-Rouge était attaquée, ou si on incendiait un musée, il y aurait des réactions. Les grands acteurs d'Internet ne sont pas encore vus comme de véritables institutions culturelles ou des grands médias. Donc c'est un peu dommage. Pour citer d'autres exemples, hein, mais là, depuis 2 ans, on demande à adhérer, enfin, le mouvement Wikimedia essaie de rejoindre l'OMPI, une organisation onusienne en charge de la propriété intellectuelle. Donc la Chine met son veto, donc bloque tout le système à cause de la présence de l'existence de Wikimedia à Taïwan. Où là, c'est resté juste à l'étape de menace, mais bon, déjà ça, il y a l'Inde et le Pakistan qui sont pas d'accord sur certains articles, et donc qui menacent de bloquer Wikipédia. Ou un peu plus léger, mais bon, quand même un peu surprenant, c'est Tsahal qui a fait une campagne de communication l'an dernier, je crois, parce qu'ils sont pas d'accord avec l'introduction des articles traitant du Hezbollah. La communication était assez limite, voire un peu de la manipulation d'information, parce que vous irez voir sur Facebook ou sur Twitter, voilà, les copies d'écran étaient soigneusement s'arrêtaient juste avant la mention dans les articles de Wikipédia qui rappelaient que le Hezbollah était considéré comme un acteur terroriste pour certains États dans le monde. Et donc voilà,
l'armée israélienne aurait voulu une réécriture de l'introduction. Voilà, c'est un peu surprenant d'envoyer son armée sur les réseaux sociaux pour faire passer un message à Wikipédia. D'ailleurs, ça n'a pas marché parce que la plupart des Wikipédiens n'ont pas vu ce message. C'est pas une bonne façon de discuter avec les Wikipédiens, les rédacteurs de Wikipédia. Mais voilà, c'est quelques exemples où il y a encore un problème de communication. Et je pense que si on veut que les opérateurs, ne serait-ce que Wikipédia, que je connais le mieux, fassent confiance aux États, il faut savoir que les États vont nous défendre si on est attaqué dans d'autres pays beaucoup moins démocratiques et beaucoup plus autoritaires. À l'heure actuelle, ça n'existe pas. C'est sans doute aussi notre faute. On n'a peut-être pas assez de contacts, on n'a pas le 06 de tel ou tel ministre. Ou telle personne importante. Voilà, on s'est développé seul, sans les pouvoirs publics. Mais voilà, ils doivent aussi prendre en compte que certains acteurs Internet sont aussi importants que d'autres organisations dont on a l'habitude de soutenir et de défendre lorsqu'ils sont attaqués. Merci Pierre-Yves. Je retiens ce sujet sur l'international qui est dans nos débats qui sont parfois très franco-français ou très européens sur nos sujets de régulation et cet oubli un peu d'un monde un peu plus large. Julie, pour conclure, une ouverture sur les 5 ans à venir, un vœu dont on pourrait espérer qu'il ne soit pas que pieux pour la bonne manière dont on pourrait essayer de s'emparer de ces sujets dans les 5 ans qui viennent. Oui. Je m'inscris totalement en accord avec mes prédécesseurs sur l'exigence d'éthique, de principe, encore une fois ancrée dans l'état de droit, dans ce qui a construit la démocratie dans le monde physique, et bien que ces principes-là contribuent ou en tout cas guident la construction de l'Internet de demain. Mais pour faire cela, ça demande que des nations comme la France, et c'est pour ça que cette conversation est absolument nécessaire et arrive au très bon moment, des nations comme la France montrent encore une fois la voie comme elles l'ont fait ces derniers siècles et continuent à le faire. Et pour ce faire, pour pouvoir montrer la voie sur ce que c'est qu'un Internet qui est respectueux des principes démocratiques et sur des régulations qui règlent les problèmes sans porter atteinte à la liberté d'expression, à la vie privée et à bien d'autres droits fondamentaux, eh bien pour faire cela, et c'est la deuxième doléance, si je puis dire, que j'adresserai au candidat d'abord et peut-être au futur président de la France, c'est de saisir l'opportunité offerte par le Digital Services Act, donc cette nouvelle régulation qui va s'imposer aux plateformes, aux grandes plateformes en particulier, sur la régulation des contenus qui circulent sur leurs espaces, et bien que de saisir cette opportunité-là pour réfléchir à un cadre juridique, un cadre légal strict qui donne accès aux chercheurs, à la communauté scientifique, à la communauté académique dans sa diversité, donne accès aux données, excusez-moi de la répétition, j'ai pas encore trouvé la bonne formule pour éviter cela, mais ouvrir l'accès aux données qui sont actuellement détenues par les plateformes, aux données d'utilisation de leurs outils, que ce soit les likes, que ce soit la manière dont s'alimentent les algorithmes de recommandation, que ce soit les données personnelles qui sont partagées dans le cadre, dont l'accès est donné à ceux qui veulent faire de la publicité sur ces plateformes-là. Toutes ces informations-là sont absolument nécessaires pour comprendre l'impact positif ou négatif, parce que très franchement, oui, on peut faire des recherches de l'extérieur, mais la rigueur scientifique demande aussi que ces recherches-là répondent à la réalité. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que ces plateformes évoluent rapidement. Les recherches que nous faisons parfois sont dépassées de 2, 3, voire 5 ans. Là, on est dans le métaverse, on est au bord du métaverse. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais apparemment, c'est le terme de demain. Donc oui, il faut réfléchir à cette information en temps réel donnée à des chercheurs qui nous permettront, nous, à la société, nous, aux citoyens, de déjà faire sens de ce nouveau monde, de ces nouveaux vocabulaires, de cette nouvelle discipline qui est la modération de contenu, qui paraît tellement compliqué et qui prend tellement de place dans nos vies, de plus en plus, mais aussi informer les pouvoirs publics pour que ceux-ci réfléchissent à des régulations qui soient efficaces
efficace, mais ancrée dans les respects, dans les stricts respects des libertés et des droits fondamentaux. Super, bah, merci infiniment Julie de cette fin. Merci Laure et Pierre-Yves également. Je vais conclure, on s'était dit qu'on tiendrait en une heure. On est on est pile en une heure. Je vous remercie aussi pour cette discipline extrême et impressionnante. D'abord, je retiens quatre points. Le premier, c'est cette idée de régulation informée plutôt qu'une régulation anxieuse. Une régulation qui se nourrit sur les faits, qui aille chercher son impact, qui s'évalue, qui s'informe, etc. au fur et à mesure, et qui se nourrisse de la réalité, parfois pas que des projections dans le débat public qu'on peut avoir, ou du fantasme, ou des mythologies qu'un certain nombre d'acteurs peuvent projeter, qui les concernent au premier chef, parfois de pouvoir contre pouvoir, etc. Le deuxième point que je retiens, c'est une idée de pensée stratégique. On sort de 5 ans, je pense, qui ont manqué un peu de stratégie dans la régulation de ces espaces publics en ligne, avec beaucoup de coup par coup, de réactivité, etc. Et que ça prend du temps. Et j'ai beaucoup retenu, que ça soit sur Wikipédia ou sur d'autres, voilà, l'installer, les régulations, adapter, regarder les usages, mettre en place à la fois les dispositifs de consultation, d'observation, d'amélioration des choses, etc. prend du temps et ça incite un investissement de long terme. Et je pense que c'est cette pensée stratégique est quelque chose qui faut qu'on arrive à dompter sur ces sujets-là aussi, comme on peut l'avoir sur des sujets de sécurité par ailleurs, et que gérer notre espace public en ligne est un sujet stratégique et essentiel qui nécessite au-delà d'une réaction un peu émotionnelle. Le troisième point, c'est cette connexion internationale. Je pense qu'elle est clé. On voit bien que Internet sans frontières réfléchit pas tout seul dans un coin, que Wikipédia fait face à des régimes très très différents, qu'on est dans des ingérences et que notre espace public numérique, c'est aussi un champ de bataille. Le nôtre en France ou en Europe, mais aussi d'autres espaces publics numériques sont des champs de bataille, et qu'on n'est pas naïf à cet égard, et que évidemment il faut intégrer cette logique internationale dans un mouvement où on a parfois tendance à croire que la souveraineté s'est érigée ou oublier cette dimension par nature transfrontière d'Internet, et qu'il faut savoir composer avec. Et je pense que intégrer cette dimension plus internationale dans nos réflexions, là où parfois on a tendance à mettre un peu des œillères. Puis le quatrième point que je retiens, que je trouve assez fort, c'est quand même que cette stratégie, cette régulation informée, cette volonté un peu de reprendre, voilà, elle doit se faire forcément dans le respect des droits, des principes. C'est-à-dire que on a parfois un peu tendance où il y a cette espèce de peur dans l'idée que notre espace public serait pas compatible avec la démocratie, ou serait fondamentalement incompatible avec notre démocratie libérale, alors que, à vous entendre, on voit bien qu'au contraire, il est fondamentalement au cœur même de notre système démocratique, et que la perte de confiance que certains essayent d'instituer dans notre espace public pluraliste, riche, libre, oppositionnel, contradictoire et en tension, c'est bien en général des gens qui ne croient pas à la démocratie qui essaient de le faire. Et donc ce renforcement, au contraire des principes, il est au cœur des 5 ans à venir. En tout cas, c'est les points que je retiens un peu pour faire mon mansplaining de fin d'émission et de fin de discussion. Merci infiniment pour cette discussion, sa préparation. Merci à l'Express avec qui on a travaillé en amont et autour de cet événement. Merci à l'équipe des émotionneurs qui a préparé et aidé à produire ce débat de grande qualité en live, en ligne, qui sera disponible en vidéo, en podcast, dans tous les formats, et dont on essaiera de fabriquer une synthèse digne de cette bonne discussion. Merci Nicolas. Alors dans tous les formats, on verra ça, mais dans un certain nombre de formats peut-être. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci aux 3 intervenants. C'était un plaisir de vous retrouver, même si c'était en virtuel. Et nous vous donnons tous rendez-vous le 21 février pour notre prochain débat, qui sera, lui, cette fois-ci, dédié au numérique au service de la sécurité. Et donc, si je reprends fidèlement le titre, c'est « Numérique au service de la sécurité, de l'exception à la banalisation ». Donc, ça promet encore aussi de riches échanges. Et en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.